Amen. Notre frère veut le baptême. Tu vas le baptiser. On va. Amen. Ça va bien par la grâce de Dieu. Alors qui est ce garçon qui s'est fait délivrer aujourd'hui pour vous? Oui, mais justement, il a été beaucoup malade. C'est la quatrième fois qu'il tombe malade et cette fois ça a beaucoup plus duré qu'auparavant. Et j'ai dit à la maman qu'en venant dans ce programme, je suis sûr qu'il sera guéri. Wow. Parce qu'on a parcouru de marabout à marabout, la maman est partie ici et là et je lui ai fait comprendre que le seul endroit où il peut être guéri, c'est avec le Seigneur. Il faut qu'on l'amène. Wow. Jusqu'à ce qu'il soit guéri, la maman ne croyait pas. Et par la grâce de Dieu, il a été guéri. Et je rends gloire à Dieu et wow. Je remercie l'Éternel pour tout cela. Ça faisait combien de temps qu'il était comme ça? Ça fait environ 2 mois, mais ça fait pratiquement 3 ans qu'il souffre de cette maladie. Ça part, ensuite ça revient. Mais cette fois-ci, c'est un peu beaucoup plus duré. Depuis 2 mois, auparavant, ça partait, ça faisait environ 2 semaines. Il était malade. Faisait 2 semaines après, ça repartait. Bon, maintenant, ça fait 2 mois, oui, maximum 2 mois. Vous avez vu des médecins? On a vu des médecins, oui. Et une fois, le médecin a fait ce qu'il pouvait et ensuite, ça n'a pas marché. Du coup, nous sommes repartis quand ça a recommencé pour la deuxième fois. L'hôpital a refusé en disant que c'est critique, ils ne peuvent pas soigner l'autre là. Du coup, on était abandonnés en nous-mêmes et c'est comme ça que ça s'est passé. Il était malade. Je rends gloire au Seigneur qui a eu ce programme et j'ai dit à la maman que bon, il fallait qu'on l'amène et que le Seigneur allait le délivrer. Amen. Merci Seigneur. Bon, je remercie grandement l'Éternel pour cela. Et en plus, une fois de plus encore, il me prouve sa grandeur et tout cela. Bon, je remercie l'Éternel pour tout cela et j'invite aussi ceux-là qui ne sont pas encore convertis parce que c'est dans le Seigneur qu'on peut trouver la délivrance, c'est dans le Seigneur qu'on peut trouver la guérison, c'est dans le Seigneur qu'on peut trouver tout, en fait. Tout est en lui. C'est magnifique. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci. Bonjour. Merci. Bonjour. Ça va bien? Non, ça va pour la grâce de Dieu. Vous avez chanté tout à l'heure avec les enfants? Oui, c'est l'Ophelina. C'est l'Ophelina d'Orcas Fondation en Kenya, Bafoussam, Cameroun. Oui. On a chanté. Comment vous avez connu le programme pour aujourd'hui? Oui, on m'avait informé qu'on va avoir le programme comme ceci aujourd'hui. Je suis anglophone, excusez-moi, je suis anglophone, okay. Oui. Si vous voulez passer un message aux frères et sœurs en anglais, vous pouvez y aller. Hein. Ok, je voulais dire que ici, là, on nous a enseigné sous la parole de Dieu pour corriger certaines fautes qu'on est en train de pratiquer à l'église, que par ignorance, les gens sont en train de pratiquer en sachant que c'est la parole de Dieu. Et comme ça, le serviteur de l'Éternel était là pour nous éclairer. Qu'avant de mettre quelque chose comme la parole de Dieu en pratique, on doit être sûr que c'est la vérité. Oui. Et moi, je vois que c'est bien parce qu'avant de proclamer la parole de Dieu ou de mettre la parole de Dieu en pratique, on doit connaître la vérité. C'est la vérité qu'on doit mettre en pratique. Merci.
Et vous gardez combien d'enfants du coup? Je n'ai pas compris. Il y a combien d'enfants à l'orphelinat? À l'orphelinat, c'est 66. Mais je ne travaille pas seulement avec ceux qui sont à l'orphelinat. Je travaille aussi avec le groupe vulnérable, ceux qui n'ont pas l'opportunité d'habiter à l'orphelinat, qui sont dehors, comme les déplacés internes, les filles, les mamans abandonnées par leur mari. Ça veut dire que les mamans et les enfants abandonnés par leur mari. Comme ça, la Dorcas Foundation travaille aussi avec eux. Par comment nous, on partage ce que les gens viennent nous donner, on partage avec eux. Nous, on travaille aussi avec les vieillards, les orphelins et les veuves. Voilà. Comme ça, la Dorcas Foundation n'est pas seulement ici. Nos activités ne sont pas seulement limitées ici, là, à Bafoussam. Ça veut dire qu'on partage aussi notre amour avec ceux qui sont dans les autres régions, comme à Boya, Loé, et à Njombe, il y a Tabiken à Nkambe, il y a aussi Banifo ici. Comme ça là, nous on travaille avec les groupes vulnérables, comme ça là, il y a certaines personnes qui nous représentent là-bas. Ok. Ah, merci. Le Seigneur vous a fait du bien aujourd'hui alors? Ah oui, le Seigneur nous a fait du bien parce que quand tu es dans la présence de l'Éternel, là où on enseigne la parole de Dieu, oui. Comme ça, là, tu es béni. Oui, il y a aussi les frères et les sœurs qui aiment l'Éternel et qui nous aiment aussi. Merci. Excusez mon français. Ah, y a pas de merci. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Comment vous appelez? Je m'appelle Matantiwa Cyril Kendra. D'accord. Et comment vous avez connu le programme aujourd'hui? Bon, c'est ma grande sœur que la vie m'a donné, qui m'a parlé de ça hier. Elle m'a appelé, elle m'a dit qu'il y a un programme de prière. Je n'ai pas trop posé des questions et je suis venue ce soir. Nous sommes venus ensemble en fait. Et qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? J'ai appris un cours. C'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses. Mais particulièrement, j'ai appris que la dîme n'était pas obligatoire. Oui, parce que certains pasteurs nous avaient fait croire qu'il fallait absolument payer la dîme pour expérimenter la bonté de Dieu. Oui, aujourd'hui, j'ai appris que ce n'est pas obligé, ce n'est pas obligatoire en fait. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous a touché? Ce qui m'a aussi touché, c'est que j'ai remarqué qu'ici, j'ai constaté qu'il y avait la présence de Dieu. Ce n'était pas comme ces programmes qu'on organise à tort et à travers. Et puis, arrivé, on ne ressent rien. J'ai ressenti la présence de l'Éternel ici ce soir. Ce qui m'a aussi beaucoup marqué. Il y a aussi un point qui m'a marqué, c'est que chez vous, il n'y a pas de protocole. Ce n'est pas comme dans ces églises où on va mettre la chaise du pasteur comme celui du roi. Oui, ici c'était simple, tout est simple, on est au même niveau, il n'y a pas de, de président, de vice-président. C'est bon? Oui, j'aimerais dire à ceux qui ne croient pas en Dieu d'y croire, parce que Dieu est réel. Ce n'est pas une affaire des autres, c'est l'affaire de tout le monde. Dieu existe et il est réel. C'est le message que j'ai à passer. Amen. Merci pour votre témoignage. Bonne soirée. Merci, bonsoir. Ça va bien? Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Vous appelez comment? Moi, c'est Monsieur Zéphar Jean Robert. Ok. Oui. Et comment vous avez su qu'il y avait ce programme aujourd'hui? Ah, c'est ma femme qui me l'a informé. C'est ma femme qui me l'a informé. Je suis même venu avec elle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a touché aujourd'hui, qui vous a impacté? Ah, j'ai été beaucoup marqué. J'ai été beaucoup marqué. Et ici, vraiment, il y a vraiment la vérité. Donc, il y a vraiment la vérité ici. Donc, ce n'est pas comme d'autres églises là, comme tout. Et donc, ici, il y a vraiment la vérité. Amen. Donc, Jésus est vraiment vivant ici. Amen. Oui. Et
Il y a un point particulier que vous aimeriez partager avec les frères et sœurs? Ah, j'invite tous les frères et sœurs, pour ceux qui ne croient pas encore, qu'à partir d'aujourd'hui, moi-même, j'ai cru à partir d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne croient pas encore, je les invite à croire. Donc, il y a encore les églises qui... Il y a encore la vérité sur ça. Il y a encore la vérité, ça existe vraiment. Donc, Jésus existe vraiment, il est vivant. Amen. Donc, il est parmi nous. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Bonne soirée. T'as vu le papa? Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? J'ai un peu mal à la tête là. Donc, c'est comme j'ai voyagé de Doha là pour Bafoussam. Depuis hier soir jusqu'à présent, j'ai les maux de tête. Vous êtes venu pour le programme aujourd'hui aussi? Bon, j'ai voyagé depuis hier. Je suis arrivé hier, je suis venu participer aussi au programme à Bafoussam pour découvrir aussi la ville. Et qu'est-ce qui vous a touché aujourd'hui? Vraiment, ce qui m'a touché, c'est tout à l'heure le garçon pour qui on a prié tout à l'heure, là, quand on est entré avec lui, je l'ai vu attaché, bizarre, tout ça. Subitement, il s'est levé, il s'est mis à glorifier le Seigneur. Il a dit qu'il veut se baptiser. C'est ça qui m'a marqué tout à l'heure là. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a touché. Amen. Ça montre l'amour du Seigneur dans nos vies, quoi. Donc, c'est un peu ça que je peux dire. C'est vraiment comme dans Actes, quoi. Pardon? Comme dans la parole, comme dans Actes. Oui, oui, comme dans Actes, comme Paul priait pour les gens étaient délivrés. Pierre, les gens étaient délivrés. Donc c'est un peu ça. Amen. Donc vous pensez que c'est le réveil? C'est le réveil au Cameroun, c'est le temps du Cameroun. Amen. Donc, l'ennemi ne peut rien faire. Yeshua a décidé que cette nation, c'est pour lui. C'est une nation bénie. J'aime le Cameroun, ma nation. Et Yeshua va encore faire plus que ça. Ce n'est que les prémices, donc, c'est ce que je peux dire. Amen. Shalom, bonsoir. Hello everyone. Hello brothers and sisters. I will speak in English. Okay. I'm really happy for today's prayer in Bafoussam. Really, it's amazing. The people of Bafoussam are so happy about praising the Lord, getting to know Jesus, accepting Jesus Christ in their life. All the glory goes to Yehoshua Mashiach. He's marvelous. He's wonderful. He's the best. And I'm so happy that today was... everyone was so happy. They came here expecting to be healed, and they got healed from sickness. They accepted the Christ in their life and also accepted to be baptized. So I give all the glory to Yehoshua Mashiach.